J'ai découvert ça avec mon collège en 6e et tout de suite avec un groupe d'amis on a accroché et on s'est dit que l'année prochaine ça serait notre sport. Je recherche beaucoup de rigueur surtout pour que le coup soit vraiment s'approche de la perfection. Après un bon sentiment de glisse et le sentiment d'être à fond quand on nous demande d'y aller. Donner tout ce qu'on peut à l'entraînement et sortir du bateau en n'ayant aucun regret sur ce qu'on a fait. Après, on a une préparatrice mentale qui nous aide beaucoup. J'essaie de vraiment pas stresser avant une compétition parce que je me dis que tant qu'on n'y est pas, ça sert à rien de se prendre la tête. Et puis voilà, je vis à fond le moment présent. Je suis née au Havre, donc déjà c'est quelque chose d'assez fort. Je suis toujours restée sur secteur et même quand je pars en stage, quand je reviens, c'est vraiment un sentiment d'être chez soi. Le Havre, c'est une très très belle ville, je trouve. J'aime beaucoup être ici. Parce que représenter le sport, c'est quelque chose de très beau, surtout quand on a la chance d'en faire à haut niveau. Vraiment, c'était une opportunité à ne pas louper. Mon gros objectif, ça serait d'être championne du monde, comme j'ai déjà fait les mondiaux, mais que j'ai fait que 5e. Et à long terme, faire les JO, et ça serait vraiment grandiose.